Sounds groovy, huh? Then I just play with these. Là, je fais un petit chargement pour l'Écosse, pour Grangemouth. On ne sait pas le voir en Écosse au-dessus d'Edimbourg, mais bon, d'ici à 2000 km quand même. Voilà, on est jeudi matin. Il est 7h34. J'ai juste commencé à charger à Saluzzo, en Italie. Pour Grangemouth, le nord de l'Angleterre. Enfin, non. Disons le sud de l'Écosse, c'est à côté d'Edimbourg. D'ici, on passe en par Ypres, parce que bon, je vais aller faire mes 24 heures à Ypres. Enfin, à Ypres, à la maison. Ça fait un bon 2000 km passé. 2100, je crois. Un beau petit tour. Bon, c'est du gluten, hein. C'est pas l'idéal. Voilà, j'attends la douane. Je suis chargé. Il y a déjà mon numéro de plaque qui est passé comme quoi que les papiers sont prêts, mais je vais encore attendre la douane. Ça va être marqué la ligne du dessous, Patrick. En attendant, on va aller prendre une douche. Là, les ricotto, là, ça fait partie de Citra, ça, maintenant. J'ai été lavé chez eux hier. Ça fait partie du groupe. Là, je dois plomber avec un plomb de douane, maintenant. J'ai déjà trois plombs. Le plomb de douane, j'ai du... Comment dire... Celui-là, je mets toujours du scotch pour... Parce qu'autrement, ça accroche dans les anneaux. Là. Donc, celui-là, j'ai dû bouger un peu mon scotch pour passer dans la partie en cuivre là qu'il y a là. Pas dans ceux-là, dans la partie en cuivre. Après, je plombe sur la vanne et puis je repasse dans les deux anneaux qu'il y a là au bout du câble. Et le plomb, faut le mettre... Le plomb, faut le serrer là. Enfin, la ficelle, et après le plomb, il a une large encoche et deux trous de l'autre côté. Donc, le truc que tu as torsadé, tu le mets dedans. Et après, faut serrer avec la pince. Voilà. Et c'est gravé le sigle de la douane italienne. Ah, c'est bien, mais là, il est juste devant moi. J'ai fini, j'ai mes documents de douane. Et mon CMR, ils font tout le bordel. J'ai tout ce qu'il faut et là je peux partir. Il est 10h.
Donc nous voilà partis. C'est retour la base là, maintenant. C'est un vidé lundi, on est jeudi. Bon, je sais bien, il y a 2000 km à faire. Mais là, je rentre. Hein, aujourd'hui, je vais rouler 9 heures. Ouais, quelque chose comme ça. Demain, je vais rouler jusqu'à chez Citra. Je vais faire une bricole peut-être dans l'après-midi. Et je repars dimanche matin. Ça dépend à quelle heure je repars de. Enfin, quelle heure j'arrive chez Citroën demain. Peut-être que je fais rien après, je n'en sais rien. Je repars dimanche matin pour livrer lundi là-bas en Écosse. Depuis Citra jusque là-bas, il y a quand même, je crois, un bon 13 heures de route. Hein. Donc, moi, je vais rouler 10 heures. Et le reste, lundi. Bon, ben ça, c'est la petite montagne de Cavour, là, au milieu de la plaine. Les grandes montagnes sont derrière, il n'y a que le caillou de Cavour qui est resté. C'est marrant ça. On le voit le loin là, ce machin là. Quand je suis chez Ricotto qui se trouve par là-bas là, on le voit bien même. Oh, tout à l'heure j'ai eu la voiture sans permis, le AP. Allez. Camion à trois roues là. Et dans celui-là là. Et devant moi le traîneur de service. Enfin, il est à 60. Enfin mais dans ce moment je peux rouler à couille à 40, à couille à 60, à couille à 80. Il est en grande conversation téléphonique. Là, je suis sur la A55, bon, c'est l'autoroute qui fait un petit morceau d'autoroute. Ça fait de Pidérolo jusqu'à la tangentielle de Turin. Donc je prends ça là, sur une petite vingtaine de kilomètres, je ne sais pas, je sais pas le GPS. Moi je compte que c'est une vingtaine de kilomètres. Et après, on va prendre un peu la tangentielle de Turin. Et après, l'autoroute qui monte sur le tunnel du Fréjus. Bon, allez!
Je crois qu'il y a un convoi de matières dangereuses qui doit partir. Je vais le fermer pour l'instant. Allez. Nous voilà partis dans le tunnel du Fréjus. On arrive à la fin du tunnel. Avec Modane. De l'autre côté, il y avait du monde aussi, mais voilà, ça va. Ça va. C'est que la plateforme qui a du monde. Pareil que côté italien. Là, j'ai pas encore touché mes freins. Hein. Je descends à 65 en 9e, troisième cran du frein moteur. On fouille, il y a les bagnoles derrière, mais bon. Mais à son âme, m'a toujours dit qu'il fallait descendre à la vitesse qu'on monte. Bon, on monte un peu plus vite qu'avant, mais on a quand même des mots. Démarrer, putain.
Oh, il y a 4 heures que moi j'ai passé Chambéry. Pardon. J'ai passé Chambéry là et ça fait maintenant 4 heures que je roule. Ouais, 3h57. Je vais m'arrêter ici. Faire une coupure de 45. J'ai fait mes 45 minutes là. Il reste encore 6 heures à faire. Bon, faire des choses comme ça. Changement de programme, donc ouais, on est jeudi midi, enfin jeudi après-midi, et bientôt 3h, et faut que je remonte jusqu'à Citra France. J'ai cassé la route ici. Ben, je dois remonter jusqu'à Citra France et puis je pose ma remorque là-bas. J'en prends une autre pour aller la vider à Berlin. Berlin, c'est 50 km de là, même pas. Et puis, ouais. Et après, normalement, je reviens, je reprends ma remorque et puis je rentre sur Ypres. Il y a du monde aujourd'hui, hein. C'est chassé croisé, ça va commencer. C'est le dernier week-end de juillet, donc on est entre Chambéry et Lyon sur la 43. Le plus loin possible. Ah, bah il est 20h là. Il est un peu plus nuageux. Alors plus on monte, plus on va tomber sur la flotte normalement. Et là je suis sur la nationale 67. Je viens de sortir de Chaumont, là j'ai passé à côté de Truc-Urlande. Et je roule encore 1h40. Après je roule plus d'heure. Je roule encore 8-10h aujourd'hui.
on est à Saint-Dizier, donc je quitte la 67 pour aller sur la Nationale 4. De conduite au Concorde 3 quarts d'heure. Pour trouver une place. J'ai mal aux yeux. Du soleil toute la journée. Là, maintenant, on tombe dans les nuages, là, ça fait une différence. C'est mal aux yeux. Et bon matin, les amis. Il est 6h55, je viens, allez, ça fait combien, 22 minutes que je suis parti de mon parking où j'ai fait ma coupure de nuit. Là j'arrive à la sortie de la veuve, je vais remonter sur l'autoroute A4. Ouais, depuis ce matin il pleut. Bon, hier j'ai eu la chance, j'ai commencé à rattraper les nuages. Hier soir, ben, je savais par mes collègues et tout ça que dans le nord il n'avait pas arrêté de pleuvoir. Là, moi j'ai eu du soleil toute la semaine. Putain, c'est pas vrai. Allez, touristes, c'est quand même terrible. Ils vont te bloquer un péage pour prendre un ticket. Hein. C'est incroyable. Bon, allez, soit. Donc aujourd'hui, ben, ça va être. Rouler jusqu'à Citra France. Donc on est vendredi. Hein. Je pars dimanche matin sur l'Écosse. Hein. Donc là aujourd'hui je vais jusqu'à Citra France. Je vais poser ma remorque là-bas. Et j'en prends une autre pour aller la vider à Barlin. C'est une bonne demi-heure de route de là, là de l'autre côté de Béthune. Pour aller vider ça avant 14h dans une usine de peinture où ils font de la peinture. Ouais. C'est un carbonate de calcium qui doit venir d'Italie. Bon, dans ce coin-là, on a beaucoup de papeterie. Où on allait livrer des papeteries. Bah, certainement qu'il y a un gars qui était vidé dans une papeterie et puis rechargé la craie là à côté, là, du côté de Carrare. Ah bon, ça se fait en remorque normale, normalement. En remorque industrielle ou bien des vieilles alimentaires. Et il pleut. Je vais vous laisser, on est dans la campagne de la Champagne. Moi, je vais arriver sur Reims là bientôt. Et il fait un temps de merde. Ouais. Donc, tout à l'heure. Je vais arriver tout à l'heure. De toute façon, la journée d'aujourd'hui, c'est pas vraiment du voyage. Je vais plus. Je vais faire la vidéo un peu plus sur le voyage en Écosse. Allez.